Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être branché sur la 2 à l'heure de votre émission Ekoumag. Ekoumag, un rendez-vous du donner et de recevoir. Elle intervient régulièrement dans toutes nos activités. Elle, c'est la monnaie. Le franc CFA, quel avenir pour la zone franc CFA? Quel avenir pour notre monnaie? La question sera au centre de ce numéro Ekoumag, qui est un rendez-vous du donner et du recevoir. Vous aurez, chers téléspectateurs, l'occasion de participer à cette émission. Nous avons pour invité ce soir sur ce plateau Monsieur Louis Latévy Lanson. Il est économiste. Il est à ma gauche, à la droite de votre écran. Louis, bonsoir. Bonsoir, Célestin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ils sont deux invités. L'autre est un petit peu empêché, il va arriver. Et il s'agit de Monsieur Akaya. Il sera très bientôt sur ce plateau. Ensemble, nous allons parler de notre monnaie, la monnaie qui circule dans la zone. Moi, il s'agit bien du franc CFA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons nous tourner de l'autre côté de la régie pour retracer sommairement l'historique de cette monnaie. Le franc CFA est officiellement né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international FMI. Il signifie alors franc des colonies françaises d'Afrique et est émis par la Caisse centrale de la France d'outre-mer. Il s'agissait de restaurer l'autorité monétaire française dans ces territoires qui ont été isolés de la métropole durant la Seconde Guerre mondiale et qui ont souffert de la raréfaction des échanges. La règle du jeu monétaire est simple. Dans tous les pays membres circulent des billets de noms et de graphismes différents, mais de valeurs respectives fixes. Un franc CFA ou comorien vaudra 2 centimes français ou alors 1 franc français pour 50 francs CFA ou comoriens. En 1958, le franc CFA prendra la dénomination de franc de la communauté financière africaine pour les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale UMAC. Après les indépendances, les pays de la zone franc ont souhaité mettre résolument la monnaie et le crédit au service du développement. Il en résulte une non-maîtrise des crédits à l'économie. À partir de 1985, la dégradation de la conjoncture mondiale, la dépréciation du dollar par rapport au franc, l'explosion des arriérés de paiements publics et privés ont provoqué une illiquidité croissante du système et une dégradation du bilan des banques centrales. À ce déséquilibre va s'ajouter l'inquiétante progression des transferts hors de la zone qui aura pour conséquence directe la suspension des rachats des billets CFA par la Banque de France en août 1993. L'on assistera par la suite à la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, puis son arrimage à l'euro en 1999. Merci, ainsi retracé sommairement l'historique du franc CFA. Nous disons merci à César Magamana qui a fait le récit de ce sujet. Voici retracé l'historique du franc CFA. Quel avis, quel est votre avis, quel commentaire faites-vous par rapport à l'historique du franc CFA? Bien, merci Célestin. Je suis très ravi de l'historique et je suis très content de ce qui est présenté. Et le franc CFA a été signé, la convention du franc CFA a été signée exactement le 25 décembre 1945. Et ratifié au journal officiel, publié au journal officiel de la France le 26 décembre 1945. Et déjà en 1945, peut-être l'historique a manqué de signifier que déjà en 1945, le franc CFA, dès sa naissance, a été réévalué.
et ce qui a joué déjà un sale tour à sa naissance à la monnaie. Et ensuite, en 1994, comme l'historique vient de le dire, la dévaluation, et c'est précisément le 12 et non le 11 janvier 1994. C'est le 1er janvier, janvier 1994. Voilà. Donc, et aussi en 1999, l'euro qui a remplacé le franc CFA, je pense qu'on aura le temps d'en discuter. L'euro qui a remplacé le franc CFA, je vous le disais tout au début de cette émission, nous avons deux invités. Monsieur Akaya vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vient de retracer sommairement l'historique du franc CFA. L'historique du franc CFA. Quel commentaire faites-vous de la naissance et du cheminement du franc CFA lorsqu'on sait que l'UEMOA, la zone franc, traverse également des périodes difficiles? Okay. Merci beaucoup, je m'excuse d'abord pour le retard, mais déjà sur l'historique du franc CFA, le franc CFA c'est d'abord une monnaie coloniale qui a fait du chemin. Et la fois passée, on a eu même la BCE à célébrer 50 ans d'existence. Mmh. Et aujourd'hui, il se pose beaucoup de questions par rapport à ce franc CFA, vu un peu tout ce que le franc CFA a généré comme action. D'abord la dévaluation, les questions de stabilité, tout ça. Donc moi, je pense quand même que le franc CFA a fait beaucoup de chemin. Et il est question maintenant de repenser ce franc CFA pour voir est-ce qu'elle peut continuer par jouer son rôle, ou bien elle peut jouer un rôle fondamental dans cette dynamique de développement des pays africains, surtout les pays de l'UEMOA, ou soit il faut maintenant repenser à une autre manière de faire. Donc je pense que au niveau de l'historique, c'est là-bas que moi je plante déjà le décor pour pouvoir en parler. Le décor vient d'être planté. Vous avez quelque chose à dire par rapport à l'historique? Oui, permettez-moi déjà de remarquer que le franc CFA à son origine a été anticonstitutionnel déjà. Ouais. Parce que la constitution de tous les États membres de l'UEMOA ou bien de l'UEMOA dit que la monnaie est une question d'ordre souverain. Mais le franc CFA déjà en 1945 a été signé par la France, et non seulement signé par la France, a été ratifié dans le journal officiel, c'est-à-dire a été publié dans le journal officiel de la République française, ce qui est déjà une aberration pour un peuple souverain. On peut dire également que en ce moment, les peuples africains, la zone franc, tous les pays de la zone franc n'avaient pas leur indépendance. Et ils n'avaient pas leur indépendance. Voilà pourquoi. Oui, bien sûr. Et après, cela peut s'expliquer. Bien sûr. Et après les indépendances, maintenant, si nous prenons par exemple la constitution ivoirienne, dans son titre 5, article 71 déjà, qui dit que la monnaie est une question de souveraineté. Alors, 53 ans après les indépendances, je n'ai pas vu ça. Si je prends la constitution malienne dans son titre 6 et article 70, je retrouve encore la même chose, mais je ne vois pas encore après 53 ans. Alors, je pense qu'il y a... On va revenir beaucoup plus sur le sujet au cours de cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils auront la possibilité d'intervenir au cours de cette émission, poser leurs questions et apporter leurs suggestions, analyses. Et avant, on a participé à la création de la monnaie, la France a ratifié la chose, les pays de la CIMAC et de l'UEMOA ont leur réserve au niveau de la Banque de France. Est-ce que cela garantit, vous venez de toucher un tout petit peu, cela garantit une indépendance économique? Bon, garantit une dépendance économique, je dirais non, mais une stabilité financière, je dirais oui. Alors, l'indépendance économique, on vient de parler tout de suite des questions de souveraineté. Et la souveraineté, c'est toutes les institutions qui permettent et qui disent qu'un État est indépendant. Donc, à partir du moment où l'État n'a pas la capacité de pouvoir gérer lui-même sa monnaie, donc ça devient un problème crucial. Et surtout que maintenant, la problématique, la question que vous posez, qu'on a des réserves monétaires au niveau de la Banque Centrale Française,
européenne. Donc ça veut dire que nous avons un problème même de pouvoir détenir les moyens de pouvoir être indépendants. Donc aujourd'hui, si nous avons cette réserve monétaire et qu'on a toujours des problèmes de financement, donc c'est aberrant. Si vous avez un stock monétaire quelque part, on vous dit ça garantit votre stabilité. Et en même temps, dans le pays, il y a des projets qui ne sont pas réalisés et qu'on doit toujours faire recours à l'aide publique au développement. Donc ça veut dire que cette syntaxe-là, telle que c'est présentée, il y a un problème de fond. Donc moi je dirais tout simplement que il faut qu'on arrive en même temps en recherchant la stabilité, arriver à trouver, à formuler les moyens de développement adéquats à partir de cette réserve monétaire qui se trouve bien logée au niveau des banques européennes. Si cela ne garantit pas du côté d'Akaya, ces réserves, avoir les réserves au niveau de la banque de fonds ne garantit pas ne garantit pas l'indépendance économique, mais la stabilité monétaire. Est-ce que ça, de l'autre côté, si on se tourne du côté du Ghana, le Ghana n'a pas ses réserves au niveau de la Grande-Bretagne, qui est le pays colonisateur. Est-ce que le Ghana n'arrive pas à s'en sortir? Le Ghana a sa monnaie. Et merci. Avant de répondre à cette question concernant le Ghana, mais permettez-moi quand même de rappeler les principes ou les caractéristiques de la zone franc. D'abord, le premier principe, c'est la fixité. Et le deuxième principe, c'est la convertibilité. Le troisième, c'est la transférabilité. Voilà. Après, je peux revenir pour faire le commentaire là-dessus. Et le quatrième, c'est la question que vous avez posée concernant les réserves. Alors, et à l'origine, c'est que parce que notre monnaie signifie en réalité l'euro, ou bien initialement le franc CFA, il faut assurer cette convertibilité et nous devons transmettre 65% de nos réserves auprès du Trésor français. Sur ce sens-là, étant donné la crédibilité que l'euro nous donne, je peux dire que c'est quelque chose de bien. Mais par la suite, comme Akaya l'a dit tout de suite, si la monnaie ne nous sert pas, je ne sais pas à quoi bon détenir ça là-bas. Au jour d'aujourd'hui, Akaya a dit on ne peut pas financer les projets. On nous a dit 65% et depuis quelques temps, depuis 2005, c'est devenu 50%. Mais on remarque qu'on a plus de 109% que nous transmettons au Trésor français. Alors le supplément là ne peut rien faire dans la zone. Alors qu'on a des projets, la dernière fois, la BOAD a lancé un projet pour la zone où on a besoin de plus de 4 000 et quelques milliards, alors qu'on a plus de 10 000 milliards qui dorment auprès du Trésor français. À quoi bon servir cette politique-là? Alors, si je reviens un peu sur le cas du Ghana que vous venez de mentionner, je rappelle qu'une zone monétaire oblige à avoir des engagements contractuels avec le pays centre. Nous, on peut nous appeler les pays satellites. Alors qu'un régime de change n'oblige pas. Je peux dire que le Ghana a choisi un régime de change. Le Ghana n'est pas dans une zone monétaire. Automatiquement, le Ghana n'a l'obligation de détenir des réserves auprès de quiconque. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire. Et le Ghana peut utiliser sa monnaie pour faire son développement, comme le prix Nobel Dominique Fleuron l'a déjà dit. C'est le pouvoir monétaire qui booste l'économie et l'économie booste la politique. Alors si on inverse le chemin, ne soyons pas surpris que nous avons des choses que nous constatons dans nos pays. Là, mais par rapport au Ghana, si on fait une comparaison, pourquoi est-ce que les pays de l'UOMOA tardent à retirer leurs réserves? On a un pays, nous sommes à côté, le Togo est à côté du Ghana, la Côte d'Ivoire est de même, le Ghana, l'économie ghanéenne est prospère. Voilà. Pourquoi est-ce que les pays de l'UMO n'arrivent pas à se démarquer? Alors moi je pourrais répondre à cette question en le liant surtout à l'époque coloniale. Nous avons été sous une administration française et le Ghana a été sous une administration anglaise. Ouais. Et donc les systèmes francophones et le système anglophone, si vous, dans la plupart des domaines, ont une certaine différence. Quand vous prenez par exemple le dollar nous s'en fout un peu de cette histoire de stabilité. Ouais. Aujourd'hui, la réserve fédérale américaine peut tout simplement décider de faire marcher la planche à billets, verser beaucoup de dollars dans l'économie pour que l'emploi se recrée.
mais c'est ce qui ne peut pas se faire au niveau de la Banque Centrale Européenne. Donc je dis, face à ces formes d'administration dont nous avons hérité au niveau de la zone et des pays sous administration anglaise et les pays sous domination française, donc nous avons un peu cette rigidité-là. Donc aujourd'hui, puisque nous avons ces zones-là qui nous ont permis de pouvoir, parce que c'est la France qui a apporté le franc CFA, et c'est la plupart des caractéristiques qu'on vient de citer au niveau de la zone ont été établies par le franc et par la France. Et aujourd'hui, s'il faut reposer la question fondamentale de pouvoir ramener les réserves de l'État, ou bien les réserves de ces pays de l'OMOA au niveau de ces États, c'est de voir aussi quelle est l'influence de la France sur la capacité de détention même de cette monnaie. Est-ce que la BCAO aujourd'hui est capable de pouvoir prendre une telle décision? Donc en ce moment, il faut voir quelle est la capacité institutionnelle même qui existe au niveau de nos pays, c'est-à-dire à commencer par la BCAO, de pouvoir mobiliser ces réserves monétaires qui sont là. C'est pour cela qu'on fait face à un paradigme, c'est-à-dire que nous disons, oui, nous avons besoin d'argent pour nous développer. Mais quand tu prends les budgets des États, c'est des budgets de fonctionnement. En même temps, tu as de l'autre côté, il y a un paramètre qui dit nous voulons faire le développement, donc nous créons les institutions. Oui, il y a des institutions de Bretton Woods qui sont là, la Banque mondiale. Nous avons le système des Nations Unies qui développe des projets dans nos pays, et ces projets viennent de l'extérieur et c'est financé par des fonds extérieurs alors que nous, on a des fonds. Donc je pense que c'est cette ce paradigme-là qu'il faut repenser et laisser cette question de stabilité pour aller sur des questions concrètes, sur des questions de développement. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'argent pour financer nos économies et de gros projets d'infrastructure. Au lieu que tous nos budgets soient corsetés et gérés depuis Washington, ce n'est pas la peine. Nous devons maintenant être responsables de ce budget-là et dire que le franc CFA aujourd'hui ne permet pas à nos pays de pouvoir développer leur économie. Et que si on peut nous libérer les fonds, ça serait vraiment un avantage substantiel. Oui, et permettez-moi aussi de revenir toujours sur les principaux caractéristiques de la zone franc. En ce sens que si nous prenons par exemple la première caractéristique en même temps, la fixité du taux de change, ça nous permet de souffrir énormément d'une appréciation constante de notre monnaie suite aux fluctuations du dollar. Ça nous permet également d'anticiper, comme les gens peuvent supputer depuis quelque temps, sur des possibles dévaluations du franc CFA. Alors ça, c'est un mal très très grave pour notre pays. Et non seulement ça, il y a également le principe de compte d'opération qui nous oblige à avoir des réserves. Ces réserves, comme on vient de le dire, on a besoin de détenir ne serait-ce que 50%, mais au jour d'aujourd'hui, on ne le fait pas. Autre élément, la convertibilité qui est une tromperie très scientifique. La convertibilité, comment cela se fait? Il faudrait que les téléspectateurs puissent savoir comment se fait cette convertibilité. Oui, la convertibilité, ça suppose que chaque banque centrale peut... Chaque banque centrale doit convertir ses monnaies. Chaque banque centrale doit émettre sa monnaie. Alors que, je vous en prie, même en France, la France au jour d'aujourd'hui n'émet pas des billets, n'émet pas de l'euro. C'est la banque centrale européenne qui émet des euros. On nous trompe aujourd'hui que la BCAO togolaise, les BCAO dans l'UEMOA peuvent émettre des billets, alors qu'en réalité c'est la France qui émet ces billets-là. Alors comment peut-on utiliser la planche à billets pour développer notre économie, comme Akaya vient de le dire? Ça a clairement Fontaine, l'émission des billets. À Bordeaux, ouais. Vraiment. Un autre élément, la transférabilité illimitée, qui est une fuite légalisée des capitaux dans nos pays. On dit la transférabilité illimitée, notre zone étant la zone la plus ouverte au monde. Ce qui fait que ce qui rentre sort, ça rentre moins, mais ça sort plus. Parce que la politique absurde de la BCE, qui consiste à maintenir le taux d'inflation cible à 2%, fait que le taux d'inflation cible étant à 2%, le taux d'intérêt étant très bas dans la zone, les gens préfèrent aller placer leur argent à l'extérieur. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, si nous prenons la zone franc ou bien l'UEMOA, ça avantage les spéculateurs, ceux qui placent leur argent à l'extérieur, que ceux qui sont dans la zone pour en termes de développement. Alors que les pays que nous sommes, on a besoin de se développer, on a besoin de vivre en tant que structure économique autonome. Là, en 1994, lorsqu'on a parlé, un tout petit peu de la dévaluation. En 1994, il y a eu
la dévaluation du franc CFA. On va revenir un tout petit peu sur les causes de la dévaluation du franc CFA et surtout l'impact de cette dévaluation sur les économies des pays membres de la zone franc. Alors, en ce qui concerne la dévaluation du franc CFA en 1994, ce qui est important de relever en termes d'histoire, c'est de dire que nous avons eu à mettre en œuvre les plans d'ajustement structurel suite au fait que le pays était fortement endetté et que suite à cet endettement, il fallait réduire la capacité de l'État à recruter du personnel, à faire encore des dépenses. Alors, notre économie n'était plus compétitive. Et dans ce contexte-là, il fallait maintenant trouver les moyens qui doivent nous permettre de pouvoir redevenir compétitif. Et souvent, dans ces genres de contexte, on peut dire qu'on peut dévaluer la monnaie. Quand vous dévaluez la monnaie, ça veut dire que vous pouvez booster les exportations à partir du moment où votre monnaie est devenue plus faible. Donc, ce sont les conditions qui ont motivé la dévaluation du franc CFA. Et le principe premier, c'était que nos économies n'étaient plus compétitives et il fallait dévaluer. Bon. Une fois que cela a vu le jour, donc nous avons fait encore fausse route puisque on s'est dit nous avons le lien avec l'euro et quand nous devons les prestations de la zone, c'est l'exportation des produits agricoles bruts. Alors si vous exportez des produits agricoles bruts, c'est que vous vendez sur le marché international. Si vous vendez sur le marché international, vous ne vendez pas en euros, mais vous vendez plutôt en dollars. Alors, si vous vendez en dollars, donc ça veut dire que si vous devez acheter, il faut déjà avoir une monnaie peut-être plus faible pour que le dollar pour pouvoir bénéficier du taux de change. Mais là, si vous vendez en dollars et que vous achetez en euros, donc de manière contradictoire, vous vendez moins cher et vous achetez plus cher. La condition serait que nos pays aient la capacité de transformer leurs matières premières là en matières transformées et ces matières transformées ayant une valeur ajoutée puisque on va pouvoir les vendre, on va les vendre des matières transformées sur le marché, on pourra avoir des gains de compétitivité beaucoup plus intéressants. Donc c'est là-bas que nous avons fait erreur de dévaluer le franc CFA sous prétexte que nous voulons revaloriser notre économie. Et ce qui est un peu dommage encore, aujourd'hui on ne peut même pas sentir parce que les impacts, parce que comme on a parlé des impacts, on ne peut même pas sentir quelle est la progression de nos économies face à la monnaie. Puisque nous avons un taux de fixe de convertibilité avec l'euro, c'est 695 francs avec, en 2000 quand on avait cette parité-là. Donc ça veut dire que même si nos économies progressent, il n'y a pas d'intervalle. Il n'y a pas d'intervalle de change. Quelle que soit la progression, quelles que soient les performances des économies de la zone, on ne sent pas ça sur la monnaie, puisque nous sommes liés de manière fixe avec l'euro. Et on va dire aujourd'hui que quand l'euro a commencé par basculer, on n'a pas eu ces impacts, mais je dis c'est faux. À terme, on est en train de voir ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons plus l'aide extérieure comme nous l'avons auparavant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant quand il n'y a plus d'aide extérieure? Donc, il faut pouvoir trouver les moyens adéquats pour refinancer l'économie. Voilà, et s'agissant des conditions, permettez-moi d'ajouter un élément à ce que Stéphane vient de dire. Et quel est cet élément-là? Il ne faut pas oublier qu'il y avait le Naira, il y avait le Cédis ghanéen, il y avait le Zaï, la monnaie de la RDC, et qui subissait des dévaluations répétitives. Et ces dévaluations répétitives nous faisaient perdre notre compétitivité, comme Stéphane vient de le dire. Et un autre élément, ça fait baisser encore les recettes de l'État. Ce qui fait qu'on avait deux exigences. Quelles sont ces exigences-là? Il faut faire le rééquilibrage de la balance des paiements du commerce extérieur. Et il faut également rééquilibrer le budget de l'État. D'où la nécessité de dévaluer la monnaie. Mais là où le bas blesse, cette dévaluation n'a pas été décidée de manière conviviale avec les États à qui on devait... En 1994, dans les années 90, c'était l'ère de la démocratie dans les pays. Oui, malheureusement, ce n'était pas le cas. On remarque que le 12 janvier 1994, M. Candesus arrive au Sénégal
dans le cadre de venir revoir les conditions de Air Afrique, et subitement met nos pays devant le fait accompli. Et je rappelle le président Omar Bongo qui disait déjà dans Jeune Afrique, Jeune Afrique numéro 1841, il nous disait ceci, qui a dit de dévaluer 50% par rapport à l'ensemble des pays? Est-ce que tous les pays ont les mêmes problèmes pour dévaluer au même taux? Et le général Gnassingbé Eyadéma, également président du Togo à l'époque, qui disait également, toujours dans le même numéro de Jeune Afrique, que la force a primé sur le droit et que les voix africaines n'ont pas été prises en compte dans cette affaire-là. Je cite exactement le général Gnassingbé Eyadéma dans Jeune Afrique de l'or. Alors ça voudra dire, et c'est une imposition. Maintenant, en termes de résultats, en termes d'impact de cette dévaluation, on peut remarquer que de 1994 à 1999, c'est-à-dire avant l'euro, on peut remarquer que le PIB dans nos pays ont augmenté de 5% annuel, de 5% chaque année. Donc on peut dire que ça a été positif. Déjà en 1994 même, on aura pu remarquer que le compte d'opération des pays de l'UEMOA a pu augmenter de 11 milliards de francs français. Alors, ça a des impacts. Mais déjà en 1996, on a remarqué que l'inflation est arrivée déjà à 5%. Il y a également des côtés négatifs. Cette situation a également sauvé les banques dans notre zone. Ces banques-là qui étaient au bord du gouffre sont devenues aujourd'hui des banques sur liquide. Donc ça a arrangé les banques, mais au détriment de qui? Du secteur privé. Au détriment de qui? Des créanciers intérieurs des États. Donc, on a aussi bien des impacts positifs comme des impacts négatifs. Mais sur les impacts positifs, surtout en termes de PIB, je tiens à rappeler quelque chose. Pendant ces années, on aura pu remarquer qu'il y avait du boom agricole. Rien ne prouve que c'est la dévaluation qui a engendré cette augmentation du PIB de 5%. Alors, il y a sujet à discussion à ce niveau. Là, en ce moment, on parle de, selon les politiques, on parlait des mesures d'accompagnement. Selon vous, qu'est-ce que cela nécessitait? Oui, justement, c'est sur ce point que je voulais en venir. Avant de décider une dévaluation, il faut prendre un certain nombre de mesures. Il faut vérifier un certain nombre de béaba. Alors, est-ce que nos produits à l'intérieur, c'est-à-dire la demande de nos produits, est élastique par rapport, c'est-à-dire la demande étrangère de nos produits est-elle élastique? C'est-à-dire que quoi? Une toute petite baisse des prix à l'exportation va engendrer une augmentation considérable des quantités. Voilà. Autre élément, est-ce que la demande étrangère des produits par les nationaux est-elle élastique? Si oui, ça voudrait dire qu'il suffit que les prix à l'importation augmentent tout petit peu pour que les importations diminuent drastiquement. Autre élément, il faut que nos entreprises aient des capacités de production excédentaires. Et il faut également, la France qui nous a joué un sale tour, il a fait des promesses et qui n'a pas tenu. Alors, est-ce que ces éléments nous permettent de dire que la dévaluation a été décidée et les conditions étaient là? Moi, je rappelle que si l'inflation est la seule conséquence finale qu'on a pu remarquer pour la dévaluation au finish, c'est parce que on n'a pas pris en compte le fait que la demande va augmenter, certes, mais nous sommes incapables de produire plus. Donc, à court terme, on a pu produire parce qu'il y avait... La saison était bonne, Dame Nature était de notre côté, mais lorsque ces effets se sont dissipés très rapidement, la seule conséquence, la demande étant supérieure à l'offre à un moment donné, parce que nous sommes moins chers, la demande étant supérieure, la seule conséquence sera l'augmentation des prix. Et c'est ce qu'on a pu remarquer. Avec la dévaluation, on le doute, les économies des pays membres de la zone franc ont souffert. Notre pays, le Togo, a payé les frais de cette dévaluation. Et en 1999, arrive l'euro. Et c'est l'arrimage au franc CFA, l'arrimage du franc CFA à l'euro. Et on fixe la parité de ces deux monnaies conjointement à 655 francs. 655,9 francs CFA donc pour un euro. Donc est-ce que c'est pas, on peut pas dire là que c'est une dévaluation induite, parce qu'on avait avec la dévaluation un franc français pour 100 francs CFA et on passe à l'euro 655,9 pour franc CFA pour
l'euro. Et donc, ce qui veut dire que c'est une dévaluation induite. Oui, dévaluation induite, bon, il faut quand même prendre des référentiels. Parce que si je prends le référentiel, la zone euro et la zone CFA, on peut dire que c'est une dévaluation induite. Mais sur le plan international global, la France CFA n'a pas suivi en fait de dévaluation. C'est pourquoi on peut parler de dévaluation induite. Voilà, on peut maintenant aller sur les conséquences pour vraiment dire que c'est une dévaluation induite à partir du moment où le premier partenaire commercial de la zone UMOA, c'est la zone et c'est la zone euro. Donc si la plupart de nos transactions commerciales se disent vers la zone euro et que la zone euro réévalue sa monnaie, donc implicitement ça veut dire que nous on est dévalué. Voilà. Donc ça, pour répondre à la question, sur ce plan, c'est une dévaluation induite de notre monnaie à partir de cet arrimage-là qu'on a fait avec l'euro. Avec cette dévaluation induite, quel a été l'impact? Oui, l'impact, c'est que nos économies ont été punies. Parce que je dirais que les Français se sont taillés un pouvoir d'achat énorme dans nos pays. Parce qu'avant, s'ils prenaient leur monnaie, ils ont une valeur donnée. Mais aujourd'hui, ils ont extrêmement exagéré cette valeur. Et en conséquence, nous, si on va là-bas, on ne peut pas acheter beaucoup de choses comme avant. Non, je peux dire que c'est une répression monétaire, comme on peut le dire. On nous a soumis, on a diminué nos capacités de dépenses. Et si je peux citer DSK un peu, DSK disait que à une économie faible comme les nôtres, il faut également une monnaie faible. Maintenant, on a une monnaie forte. Or, une monnaie forte ne peut pas profiter à un pays qui a des secteurs de pointe. C'est-à-dire la compétitivité qualité. Chez nous, il n'y a pas la compétitivité qualité, il n'y a que la compétitivité prix. Alors, si on joue de sale tour à ce niveau, je remarque malheureusement que on appauvrit plus la population. Et parce que la monnaie étant trop forte, nous exportons, comme Akaya l'a dit tout de suite, nous exportons juste des matières banalisées, des produits banalisés, les produits bruts à l'état brut, ce qui punit énormément nos pauvres agriculteurs. On ne peut rien faire. On nous a contraints à diminuer nos dépenses. Bref, on nous a punis. C'est une politique absurde, quoi. Si on s'en tient à cette politique absurde qui fragilise nos économies, il faut reconnaître aujourd'hui que la politique monétaire en Europe aussi n'est pas saine. Les économies ont subi d'énormes. On connaît également de nombreuses difficultés. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Tamini, c'est médecin. Oui, à qui ai-je l'honneur? Votre question? Oui, je voudrais un peu intervenir par rapport à l'indépendance monétaire de l'espace du mois ou les colonies françaises. Je voudrais voir si les consultants peuvent vous donner une idée sur l'intérêt qu'a la France à maintenir le pays ces anciennes colonies dans l'indépendance, dans la dépendance monétaire. Okay. Et qu'est-ce qui je veux plus d'explications, oui. Hein, voir si entre-temps la colonie décidait tout de suite d'avoir leur monnaie, oui. Politiquement parlant, quelles sont les incidences. Bon, en ce qui concerne la dévaluation du franc CFA, je me demande si réellement le pays de l'UMOA ou bien la colonie n'était pas complète. Le pays de la zone franc. Est-ce que c'est parce que la France n'avait pas de difficultés elle-même et que par rapport à l'euro, ouais. La France a pu connaître son franc CFA, son franc dévalué et donc du coup dévaluer le franc CFA. Voilà. Voilà un peu pour le moment là où je pense demander plus de clarifications. Mais je voudrais d'abord leur dire félicitations parce que tu es des jeunes économistes très talentueux. Du courage. Merci à vous. Quel intérêt à la France, à la France à maintenir le pays sous la dépendance monétaire. Hein? Quelles ont été les incidences de la dévaluation? Est-ce que en ce moment précis,
à ce moment précis, il faut dire que le franc français, c'était déprécié par rapport au dollar. Mais permettez-moi déjà de rappeler que la France a beaucoup d'intérêt à maintenir nos pays sous cette condition-là, parce que la France a besoin de continuer à nous dominer, à nous surexploiter. Je viens de dire tout de suite que si le français... Pour quel intérêt ? Pour leur développement, pas pour notre développement. Je rappelle que en matière d'intérêt, en matière d'économie, ou bien, il n'y a pas d'amitié comme nos pays les considèrent, il n'y a que des intérêts. Et donc, du coup, la France, c'est son développement qui l'incombe. D'ailleurs même, il faut aller lire la grande désillusion de Joseph Stiglitz pour s'en rendre compte. Stiglitz, qui a été conseiller économique de Bill Clinton, a pu démontrer par A plus B que les grands pays ne décident pas quelque chose pour l'avantage de nos pays, mais ils décident les choses lorsque leur intérêt est en jeu. Il faut aller lire ce document pour s'en rendre compte. Et non seulement ça, pourquoi la France a toujours besoin, ou bien démontrer pourquoi ça ne sert à rien, cette politique que nous avons pu. Il suffit d'aller voir le triangle des incompatibilités également de Mondel, où on est dans un régime de change fixe, et il y a parfaite mobilité des capitaux. La politique monétaire de la BCE, que j'appelle une politique monétaire absurde, qui est vouée juste au taux d'inflation cible de 2%, qui n'est pas... La BCE qui n'arrive pas à supporter et à venir en aide aux pays membres. Voilà. Alors, s'il y a de tels trucs, alors si on est toujours sous pression, la France ne peut nous exploiter mieux. Comme je le disais, quand on a un franc français avant, on peut avoir 100 francs chez nous. Mais aujourd'hui, si je fais le rapprochement 1 euro, on a 655. On peut acheter des produits d'une valeur de 655, aller les transformer. Les Nescafé, on les achète aujourd'hui à combien? Mais ces produits, on vend le kilo à combien pour les Français? Le kilo du café. Voilà, du cacao. On n'a pas le cacao. Voilà. Bon, sur la question, moi je trouve que c'est très simple. Si on dit que vous avez... vous avez une zone monétaire, mais vous avez dans votre zone monétaire, je garde vos 10 000 milliards de francs CFA chez moi. Ça, c'est l'intérêt. Si je peux continuer pas à maintenir ce joug-là sur vous, je vais continuer pas à le faire. Ça, c'est palpable, c'est touchable. Aujourd'hui, ça veut dire que si la France a des problèmes financiers, il faut dire qu'elle peut venir au niveau de ces colonies là, donc on continue d'être des colonies même si les gens pensent qu'on est indépendant. Mais c'est de dire qu'elle peut venir jouer de ces colonies pour pouvoir trouver de l'argent et maintenant garder les triple A ou bien les, je ne sais pas trop, au niveau de la zone euro. Donc ça, c'est le premier facteur. C'est-à-dire le fait que la France a un intérêt primordial de garder ce joug sur nous à partir de ces réserves-là qu'ils conservent chez eux. Bon, maintenant, il faut dire aussi que 50 ans, c'est pas beaucoup d'un pays. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'au niveau de l'humain, c'est beaucoup. Mais il faut regarder les autres économies. Moi, je dis, on est dans un processus dans lequel les prises de conscience commencent à naître. Et maintenant, pour revenir à ça, pour aller en même temps à sa deuxième question, quelles sont les conséquences que cela va engendrer? C'est cette question de leadership qui se trouve aujourd'hui dans cette zone où il faut trouver maintenant qui va déclencher la guerre. Maintenant, qui va dire, quel chef d'État, parce que quand vous allez à la conférence à Papasséo, c'est conteneur, quand vous voyez les discours de Macky Sall, les discours de son excellence, le président de la République togolaise et tout ça. Boris Sozemian, voilà. Donc c'était des discours pour dire mais la stabilité monétaire que nous avons, c'est appréciable et que la BCAO a fait vraiment un bon travail sur les 50 ans. Bon, alors, est-ce qu'il faut rester sur ce discours alors que les gens ont fait en bas? Donc, il faut un leader pour dire maintenant que nous ne voulons pas seulement la stabilité, nous voulons déclencher ce processus pour ramener tout l'argent qui nous appartient au niveau de nos économies, avoir des développements endogènes qui sont financés sur nos propres ressources. Et ça, tant que nous n'avons pas cette souveraineté monétaire, nous ne pouvons pas le faire. Et aujourd'hui, on sait le système de financement qui est caduque au niveau de nos banques. Donc moi, je pense que la France a toujours intérêt à maintenir la zone IOMOA dans cette léthargie-là, dans cette incapacité. Avant la dévaluation, en 1993, on notait une dépréciation du franc français par rapport au dollar. Est-ce que là, la France n'a pas joué pour pouvoir maintenir son leadership?
une dépréciation du franc français. Du franc français par rapport au dollar. Si c'est une dépréciation, plutôt ça arrange la France. Je crois que c'est une appréciation du franc français par rapport au dollar. Puisque si le franc français s'apprécie par rapport au dollar. C'est la dépréciation du dollar par rapport au franc français. Ce qui correspond à une appréciation du franc français par rapport au dollar, ce qui punit les exportations françaises. Alors, si tel est le cas, la France a bien joué de dévaluer pour pouvoir récupérer ça. Et moi, je dis, par rapport à l'argument que M. Akaya a donné tout de suite, je suis très content. Mais sauf que les détracteurs vont vous dire tout simplement ceci. 10 000 milliards, c'est rien par rapport au budget de l'État français. Donc, la France n'en a pas besoin. Mais les gens qui donnent ces argumentations, et j'ai même écouté certains de nos ténors dire ça à l'hôtel Oda Oba la dernière fois sur le symposium dédié aux Français CFA. Organisé par la Cardert. Et il faut remarquer quand même que ce sont des arguments fallacieux. Parce que la France place quand même ses sous à l'international pour gagner. Ils jouent sur ça. Pendant longtemps, on a accusé les Américains d'être un enfant gâté. Parce que les gens déposent leur argent auprès d'elles. Et ils doivent presque au même moment à ces personnes. Ils ne peuvent continuer pas à financer ces personnes-là. Ce que les économistes appellent des déficits sont là. Donc la France joue énormément sur ça. Donc il ne faut pas que les gens nous disent 10 000 milliards, c'est rien par rapport au budget de l'État français. Mais c'est beaucoup en termes de placement, en termes d'intérêt. Qu'est-ce que la France nous reverse dans ça? Et en 2009 même, quand la crise a commencé, les pays de la zone franc ont commencé par retirer un peu de leurs réserves. Il y a les économistes européens qui ont commencé par dire c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose pour qui? C'est une bonne chose pour nous. Parce que nous avons l'obligation de détenir 50% auprès d'eux. Mais un jour d'aujourd'hui, on a jusqu'à 109%. On retient, on nous dit que ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose pour qui alors? Maintenant, est-ce que là, par rapport à cette situation qui prévaut, on peut. Allô? Pas... Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? David, voilà, j'appelle le cara, étudiant en économie. Voilà. Votre question? Voilà. Oui, comment peut-on réagir à ce mouvement vraiment? Comment peut-on avoir l'indépendance économique avec ces deux économistes? Ils n'ont pas mené le processus pour que nous puissions avoir l'indépendance économique. D'accord. Parce que nous voulons quitter le jour, ce jour où on nous impose beaucoup de choses. Voilà. Voilà, j'aimerais que vous le parliez. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous avons les yeux ouverts sur les réalités. Mmh. Mais ces économistes, mais ils disent seulement qu'ils ont des théories, mais ils ne veulent pas appliquer. Pourquoi cette réalité, cette réalité? Merci à vous et à venir la préoccupation du téléspectateur. Comment parvenir aujourd'hui au niveau de la zone CEDEAO, l'on passe à la création d'une monnaie unique. Bon, on va revenir sur le sujet. Comment parvenir à une dépendance économique? Oui, permettez-moi de lui répondre très simplement. En 2009, j'ai eu la chance de rencontrer un économiste, un très grand économiste de l'Afrique, qui s'appelle Mustapha Kassé. Kassé, du Sénégal, conseiller économique du WAD. Et j'ai posé la question à Kassé. Comment se fait-il qu'un économiste de votre niveau peut être conseiller économique d'Ablaye Ouad et le Sénégal est à la traîne? Et il m'a répondu ceci. Monsieur Hassan, le président est content, il vous appelle. Il demande votre avis sur des problèmes. Vous donnez votre opinion. Dans la pratique, on remarque que soit on applique partiellement ce que vous avez dit, ou bien on voit autre chose. C'est les décideurs économiques et les décideurs politiques qui décident en fin de compte. Les économistes sont des techniciens qui ne font que proposer. Alors, comment sortir de cette indépendance comme il a demandé? La solution est très simple. C'est la dépendance. Comment sortir de la dépendance pour avoir une indépendance économique? Alors, pour répondre à cette question, il faut trouver quels sont les problèmes qui minent notre zone. Voilà. Il y a trois problèmes principaux. Stéphane l'a dit tout de suite, nous exportons les produits à l'état brut. Nous avons une monnaie forte. Et nous sommes la zone la plus ouverte au monde. Ces trois choses réunies dans une économie, en plus de ça, j'ajoute la politique de la BCE. Quelle est la variable d'ajustement dans notre zone? C'est le chômage, mes chers. Alors, si on ne veut plus que la variable d'ajustement soit le chômage, il faut toucher du doigt au moins l'une de ces trois choses, ou bien l'un de ces trois problèmes.
Soit l'Union africaine est en train de montrer la voie à travers le dernier sommet de l'Union africaine. Il faut transformer les produits. Alors si vous avez une monnaie forte, si vous êtes une zone ouverte et que vous avez des produits transformés, vous gagnez. Soit il faut avoir le courage de toucher à la monnaie. Comment toucher à la monnaie? On peut finir avec le franc CFA. Mais si ce n'est pas d'actualité, parce qu'aucun chef d'État dans la zone actuellement ne pense à toucher au franc CFA, alors il y a des solutions alternatives. Mais au niveau de l'UOMOI, l'on pense dans la vision 2020, au niveau de l'UOMOI, l'on pense à la création d'une monnaie unique, au niveau de la CEDEAO, est-ce que c'est possible? On va en revenir. Mais avant ça, j'ai dit, ils n'ont pas le courage pour le moment de toucher. Laissons les discours, les conférences de beaux parleurs. On se retrouve entre nous, on décide quelque chose sur papier, on se retrouve l'année prochaine, la chose n'a pas été exécutée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit, il faut rendre notre monnaie, il faut finir avec la parité fixe et rendre notre monnaie flottante. Ou bien carrément, si on ne veut pas toucher à la monnaie, on veut garder la monnaie forte comme à l'état d'aujourd'hui, on ne veut pas transformer, alors il faut avoir le courage de faire face à l'OMC. En haussant juste les droits de douane. Parce que nous sommes la zone la plus ouverte au monde. Il faut au moins l'une de ces trois choses comme décision courageuse. Et si vous avez même suivi le professeur Kakounou Boukwa la dernière fois, le dimanche passé à midi sur RFI, il a encore touché du doigt ce problème de l'intégration économique dans la CEDEAO et dans l'UMOA. Maintenant, si vous me posez la question de la monnaie commune d'ici l'horizon 2020, je vous dirais, c'est sur papier. On me dit la ZMAO, les 7 pays qui sont dans la CEDEAO, qui ne sont pas dans l'UMOA, ils doivent avoir une monnaie commune qu'on a déjà nommée ECO d'ici 2015. Vous voyez déjà s'accomplir. Et qui dirige ce projet? C'est Tshomogo Kone, le gouverneur de la BCAO. Comment un gouverneur de la BCAO peut piloter le projet d'une monnaie commune laissant le franc CFA? Or, le franc CFA, c'est l'instrument de maîtrise de la France. Alors, un bon enfant, le gouvernement, voyez, Dakouri Tablé, l'ancien gouverneur de la BCAO, quand il avait voulu militer auprès de Gbagbo pour servir les intérêts ivoiriens, c'est mon point de vue, pour servir les intérêts ivoiriens, on l'a levé rapidement. Et on a mis Tshomogo Kone. Tshomogo Kone qui pilote aujourd'hui le projet de ZMAO, l'écho 2015, est-ce qu'on va avoir l'écho? Je m'inscris en faux. 2020, est-ce qu'on va avoir une monnaie commune, CEDEAO? Je m'inscris en faux. Ça va venir, mais ce n'est pas pour 2020. Bon, on espère que les actions, parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'UMOA, on a de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, on ne fait plus de discours. Les actions, les hommes pensent à aller passer l'étape des discours aux actions. Est-ce que là, par rapport à la préoccupation de notre téléspectateur, on peut avoir une indépendance économique et rapidement voir est-ce que au niveau de la zone CEDEAO, nous pouvons parvenir à la création d'une monnaie unique? Moi, je suis plutôt optimiste sur la question. Parce que je suis plutôt optimiste, comme je dis, quand vous prenez l'histoire des politiques monétaires de la plupart des pays, quand je prends l'euro a été mise en place grâce à deux ténors, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, et qui aujourd'hui continuent de soutenir cette monnaie-là. Et à un moment donné, l'Allemagne en a bien profité parce qu'il y avait la zone euro. Maintenant, elle est obligée de repayer et tout ce qu'elle a dû prendre au pays. Et voilà. Donc, c'est cette question de leadership qui doit venir aussi en Afrique. Si nous avons des gros pays tels que le Nigeria qui ont cette ambition, qui ont des économies vraiment intéressantes et encore soutenues par d'autres économies qui sont prêts à aller à cette monnaie commune, moi, je pense que ça peut être une réalité. Maintenant, dans le processus, parce que moi, j'intègre toujours les acteurs. Il y a toujours tout un fil d'acteurs qui doit œuvrer. Aujourd'hui, nous avons des voix qui s'élèvent pour dire que nous avons besoin de transformer ou bien de définir notre politique monétaire au niveau macro. Maintenant, au niveau micro, qu'est-ce qui se fait? Il faut que aussi la population, moi je ne vois pas un seul professeur d'université aller changer toute la donne politique ou bien toute la donne monétaire, mais il faut un travail de base aussi qui doit être là, et ça va dépendre même des modèles économiques qu'on met en place. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que nous sommes prêts à pouvoir transformer les produits, à pouvoir retourner au champ et faire certaines activités qui nous permettent d'avoir des produits transformés? Même si on change et qu'on n'a pas les produits transformés, on va toujours être dans cette énergie. Donc moi je dis c'est une chaîne de valeur.
nous avons la partition que les experts ont à jouer. Nous avons au niveau intermédiaire aussi la participation des services qui vont jouer ce rôle-là. Et nous avons au niveau de la base aussi, je prends rien que la presse. Si la presse aujourd'hui se met à dire, nous devons changer ceci et qu'on en parle, et que ça devient une idée partagée par tous les Africains, mais ça c'est en une minute. Mais une personne qui sait que je suis à la tête de l'État tout simplement parce que la France arrive à cautionner toutes mes élections, attendez, c'est pas du jour au lendemain qu'on va le changer. Voilà. Donc moi je dis que c'est toute une chaîne de valeur qui doit se mettre en route pour qu'un jour nous puissions voir cette monnaie qui doit l'être. Maintenant, si le moi lance déjà la pierre pour dire d'ici 2020, nous voulons cette monnaie commune. Bien, hein. Maintenant, les autres doivent suivre. Si les autres ne suivent pas, on va écrire, mais ça ne va pas se mettre en œuvre. Nous sommes talonnés par le temps et rapidement, on va revenir. Est-ce qu'il faudrait revoir lorsque la France se cherche, la zone euro se cherche, est-ce qu'on va pas revoir rapidement la parité et quel avenir pour la zone franc et le franc CFA pratiquement en 1 minute 30 chacun pour pouvoir combler le temps. L'avenir pour le franc CFA, comme je l'ai dit, et on peut garder les choses en l'état actuellement. Parce que parfois si on veut bousculer les choses, ça joue de sale tour en retour. On peut garder les choses en l'état, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'ai dit, il faut une transformation. Mais de quelle transformation s'agit-il? C'est tout le débat ça. Il faut des transformations agro-pastorales. Nous avons une économie qui est présente, l'économie togolaise à environ 70% agricole. Alors si on arrive à transformer ne serait-ce que les tomates, ne serait-ce que nos produits, alors ça va booster la zone. Ou bien, on va toujours faire yeux doux à la France, mais changeons la fiscalité, comme je viens de le dire, et voyons plutôt une monnaie flottante pour ne pas souffrir énormément. Il y a un côté que les gens ne voient pas. Chaque fois que le dollar varie, ça a des impacts sur nous. Et ça paye, puisque on parle même aujourd'hui de la dollarisation. C'est le dollar qui est utilisé à l'international. Donc, du moment où le dollar nous affecte, il faut revoir ce côté, soit laisser notre monnaie flottante et on travaille dans l'ombre pour que le franc CFA on finit avec, soit on transforme nos industries, soit carrément, mais la dernière solution je ne vois pas parce que l'OMC ne va pas se laisser faire, revoir les droits de douane comme je l'ai dit. Revoir les droits de douane, je pense qu'au niveau de l'UOMOA, c'est les pays de l'Itinland qui vont souffrir. Est-ce que, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel avenir pour le franc CFA, la zone franc? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut revoir la parité? Parce qu'on est à 655,9 points pour l'euro. Voilà. Donc, comme M. Nelson l'a dit, si on revoit la parité et que nos économies ne sont pas préparées, nous allons rentrer dans un cercle vicieux. Alors, moi, ce que je préconise, c'est que ça doit être un mouvement d'ensemble. Ne confondons pas vitesse et précipitation. Oui. Si nous voulons de la vitesse, il faut l'équilibre. Et c'est cet équilibre que j'aimerais qu'on arrive à mettre au niveau de nos États. Les propositions que nous faisons, il faut que ça puisse concorder, ou bien il faut que ça puisse refléter la nature même de nos populations. Est-ce que nos populations sont prêtes à pouvoir jouer immédiatement sur le fait qu'on a changé la donne? On change cette parité le temps que l'agriculteur X puisse profiter de cette initiative pour pouvoir exporter, mais peut-être que en ce moment on a déjà des problèmes. Donc moi je dis, il faut privilégier l'équilibre financier et l'équilibre humain dans nos états, l'avenir de la zone franc. Merci cher invité, je vous rappelle que j'avais à ma gauche monsieur Luis Latévi Lanson, il est économiste, et monsieur Akaya Poulier, économiste également, consultant. Merci d'avoir apporté votre lumière sur le front CFA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci chers téléspectateurs, vous qui avez eu à participer à cette émission. Ainsi donc prend fin cette émission que vous aimez tant, et Ecomag, un rendez-vous du donné de recevoir. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la 2. Bonsoir.